Dans ce document à savoir numéro 5, nous allons parler de la conservation de la quantité de matière. La conservation de la quantité de matière au cours d'une transformation chimique impose que les concentrations en quantité de matière des espèces acides AH et basiques A-, du couple AH-A-, vérifient finalement Ci, qui est la concentration en solubilité apportée de l'acide ou de la base, qui sera égale à la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Comment comprendre ça? Imaginez, je mets un acide en solution dans l'eau. La solution va avoir un certain pH, du coup, je vais avoir de l'acide, mais aussi de la base. Je dis juste que finalement, la concentration de l'acide à la fin, plus la concentration de la base à la fin, conjuguée, c'est égal, la somme des deux est égale à la concentration de l'acide que j'ai mis au départ, avant de avant que la réaction ne se fasse avec l'eau. C'est juste ça. Donc si je mets finalement maintenant, et on peut le faire avec la base, c'est-à-dire si je mets de la base solide dans l'eau, ça va se dissoudre, cette base A moins va se transformer un petit peu, va réagir avec l'eau pour se transformer en AH, donc plus ou moins, suivant la réaction, suivant la force de la base. Et bien la concentration en acide plus la concentration de la base à la fin de la réaction, à l'équilibre, sera égal à la concentration initiale de solubilité apportée de la base. Donc Ci, c'est la concentration en solubilité apportée de l'acide ou de la base, du couple acide-base AH-A-, qui est en mol par litre, et AH à l'équilibre et A- à l'équilibre sont les concentrations à l'équilibre du couple AH-A- en mol par litre aussi.